Bonjour, bonjour mes chers, comment allez-vous ce 31 décembre 2018? J'espère que vous avez passé une belle journée, que le temps après Noël jusqu'à aujourd'hui était des jours magiques. J'espère que tu as pu prendre un peu de temps pour clôturer l'année 2018. Moi personnellement, je fais ça à l'aide des photos que je prends avec mon téléphone partout où je vais. Et je regarde les photos et je me mémorise toute l'année. Et ainsi, je peux vraiment me sentir pleine de gratitude pour tout ce que j'ai vécu. Ça me réanime mes souvenirs de ce qui s'est passé dans cette année. Et je peux donc vraiment revoir tout. Et ça, c'est important, je pense, de vraiment clôturer et aussi les choses qui n'ont pas été drôles du tout, qui ont été peut-être lourdes et difficiles, les doutes et toutes ces choses qui ne sont pas agréables à vivre, les laisser partir, les clôturer éventuellement. Donc j'espère que c'est un travail que tu as fait avec les femmes avec lesquelles on traverse les 12 nuits des Yule. Nous avons aujourd'hui fait une méditation sur la créativité. On travaille avec les archétypes et donc l'archétype aujourd'hui qu'on travaille, c'est l'artiste intérieur. Et donc j'ai pensé que pour vous qui êtes ici sur ma page et qui me suivez, que je voudrais vous offrir cette même méditation guidée parce que je la trouve vraiment, vraiment très, très facile à faire et d'un autre côté super importante parce qu'elle sert à sortir les images que porte notre âme et à les exprimer à l'extérieur. En faisant cela, tu t'occupes de ton plan de vie et si tu as des questions, une question qui te préoccupe, une question où tu as besoin d'une réponse créative. Pas une réponse qui vient de ton mental, qui va de toute façon toujours te mettre dans une zone de confort où ça ne bouge pas, où tu ne prends pas de risques et où tout est confortable, mais où rien que bouge. Par contre, si tu as une autre réponse, quelque chose qui vient de ton cœur, à ce moment-là, cette méditation peut t'aider durant toute l'année. Donc j'aimerais te l'enseigner ici, que tu puisses l'apprendre et t'en servir. Ça, c'est mon petit cadeau ici pour cette fin d'année 2018, pour t'accompagner en 2019. Donc, ce dont tu as besoin, c'est une feuille et un crayon avant qu'on commence. Et puis, quand tu as cette feuille et le crayon, quand tu seras prête, tu pourras mettre ma vidéo ici sur pause, hein, aller chercher cela. On va commencer cette méditation guidée. Donc, je te recommande de t'asseoir sur un siège, les deux pieds avec bien collés sur le sol, t'asseoir confortablement et fermer les yeux. Prends quelques respirations. Et centre-toi. Maintenant, mets la main gauche sur ton chakra sacré. C'est le chakra qui se trouve une main en dessous de ton nombril et l'autre main sur ton chakra de gorge. Avec les yeux fermés, imagine-toi maintenant que de la main gauche de ton chakra sacré sort une couleur orange, une lumière orange qui rentre dans ton corps et qui inonde ton corps de cette lumière orange. Et en même temps, de ta main droite qui est sur le chakra de la gorge, sort une couleur bleue claire. Elle inonde avec cette couleur et cette lumière bleue claire tout ton corps. Cette couleur bleue, elle va descendre et la couleur orange va monter et ces deux couleurs se rencontrent dans ton cœur et ils y circulent. Et au moment que cela arrive, pose-toi cette question qui te préoccupe, cette question qui nécessite une réponse créative, une réponse qui vient de ton âme, de ton cœur. Les yeux toujours fermés avec les deux couleurs qui circulent dans ton corps et qui se mélangent dans ton cœur. Tu peux poser cette question à haute voix ou simplement en pensant. Et maintenant, lâche prise et accueille ce qui vient. Et ce qui vient, ça peut être un symbole,
une image, un animal, un être humain. Ça peut être un son, ça peut être une phrase, un sentiment, un mouvement, une mélodie. Et quand tu as reçu cette réponse, prends la feuille et prends le crayon et commence à dessiner. Et tu dessines vraiment, tu laisses couler, tu laisses ce que tu as vu, ce signe que tu as, tu élabores. Tu dessines, tu dessines, tu dessines, sans aucun concept, simplement avec tes tripes, tu dessines ce que tu as vu. Et tu peux par la suite, si tu as envie, vraiment y mettre des couleurs avec des crayons de couleur. Ça peut aussi être donc un son. À ce moment-là, tu pourrais chanter ou tu pourrais parler. Ça peut être aussi des mouvements. Donc à ce moment-là, tu vas te lever et tu vas danser. Ou tu vas dessiner ta danse et ton mouvement et puis tu vas le faire. Ça, cette méditation guidée, tu peux l'utiliser chaque fois que tu as besoin d'une réponse créative à une question qui te préoccupe. Au lieu de chercher les questions partout à l'extérieur et demander à 36 000 personnes qu'est-ce qu'elles pensent de ta situation et ta question, et que d'avoir 36 000 réponses différentes et ne jamais savoir faire le tri de cela, je ne sais pas si tu connais ça, moi je connais ça bien. Cette manière de trouver ta réponse, elle est évidemment, elle t'appartient. Et ça, cette réponse, cette image, c'est quelque chose qui va venir, c'est vraiment quelque chose qui vient de ton âme, comme une image qu'elle t'envoie pour te montrer le chemin à prendre. Et en faisant cela, tu te relies à ton plan de vie et tu réalises ton dessein. C'est donc très très important, cet archétype de l'artiste et de la femme créative que nous portons à l'intérieur de nous. Et je voulais aujourd'hui te donner cet outil pour que tu puisses l'utiliser le plus possible dans ta vie. Si tu aimes cet exercice, ça me ferait très plaisir que tu puisses mettre un commentaire ici en dessous, me dire ce que tu en penses, si tu le connaissais, me dire peut-être si tu as d'autres techniques pour te connecter à ta créativité. En tous les cas, ça me fait très plaisir que tu aies regardé cette vidéo. Si tu mets un commentaire pour me dire, enfin voilà, ton commentaire me fera en tous les cas très plaisir. Je te souhaite une très très belle soirée, un merveilleux réveillon et te souhaite tout le meilleur pour 2019 et j'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble et se rencontrer peut-être tout à fait en vrai et pas seulement en virtuel. Très très belle soirée à tout le monde et bon réveillon et à très très bientôt!